Pierre, on l'avait peut-être oublié avec l'été, mais il y a un procès qui n'est pas fini et qui a repris aujourd'hui à Drummondville. C'est le procès du pédiatre Jocelyn Lucier qui est accusé d'agression sexuelle sur 14 patients. Le médecin est aussi accusé d'avoir administré des médicaments à des jeunes patients dans un but criminel. José Cloutier, c'est un autre pédiatre qui est venu témoigner en faveur de l'accusé aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est la défense qui poursuit son travail. Alors, celui qui a été appelé à la barre aujourd'hui, le pédiatre Pierre Poitras, qui pratique à la Cité de la Santé à Laval, de même qu'en cabinet privé. Il a beaucoup été question dans son témoignage de l'utilisation de ce fameux Versed, ce médicament aux propriétés calmantes, justement, qu'on administre à des jeunes juste avant l'installation d'un cathéter. Alors, il nous aura un peu surpris, ce témoin de la défense, d'abord en précisant que lui-même n'avait pas recours à ce médicament dans sa propre pratique. Mais rapidement, toutefois, il nous a dit que l'administration du sédatif était variable d'une génération à l'autre de pédiatres. Alors, à ses yeux, le docteur Lucier a tout de même agi selon ses connaissances. Il ne condamne pas ses agissements. Au contraire, il dit que ses gestes étaient médicalement acceptables. Alors, fidèle à ses habitudes, Jocelyn Lucier a suivi les témoignages calmes, détendus. Voici ce qu'il avait à nous dire à son arrivée ce matin au Palais de justice de Drummondville. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Je ne ferai pas de commentaires parce que là, on reprend la défense. Alors, jusqu'à la fin de la défense de moi, là, attendez-vous pas à aucun commentaire, mais suivez bien de près ce qui se passe à la cour, puis je compte sur vous pour rapporter ça très fidèlement. Est-ce que le procès se poursuit demain, José? Ça se poursuit vendredi. Ça a été ajourné tout à l'heure à 16h30. Alors, vendredi, un endocrinologue sera appelé à la barre, mais c'est un procès, il faut le dire, après de longues semaines qui tire maintenant à sa fin. Merci beaucoup, José. Au revoir. Les élections complémentaires, Claude, dans quatre comtés du Québec aujourd'hui. Qu'est-ce que...